C'est l'histoire d'une femme qui est sans attitude morale. C'est vrai que la psychologie de Hermida est une psychologie très très compliquée, très tourmentée. Elle n'a aucun problème pour rendre la vie difficile à tout le monde qui est autour d'elle à cause de ce une manipulation psychologique qu'elle fait. La chose qui est un peu drôle, c'est qu'elle est découverte, mais elle est pardonnée tout de suite. Mais ça, c'est un peu la loi du théâtre. Donc, c'est comme ça qu'il faut accepter ce type de modus operandi. Le livret d'Hermida est un livret très compliqué parce que les rôles se croisent à cause d'Hermida dans un mécanisme très étrange, très difficile à comprendre. Dans le livret, il y a une très grande manipulation de l'histoire de la Jérusalem. À la fin, il n'y a pas une happy end, absolument pas. Et l'opéra termine avec le début de la guerre. Le deuxième acte d'Hermida est totalement manquant. Et pour les airs, on a préféré un choix d'air qui m'était signalé par Frédéric Delamea, qu'on a choisi entre un groupe d'airs évidemment du même caractère au niveau du texte et le même maître poétique. Je préfère des relations solides avec les chanteurs parce que je suis convaincu que la connaissance est très importante. Une fois qu'on comprend que il y a une certaine attitude commune, je pense que c'est le moment de poursuivre avec la collaboration parce que avec le temps, les choses se font plus profondes et plus simples en même temps. Ma non per te, ma non per te.